Asma Ouledoussa. Je travaille au groupe Le Monde et mon métier, ce qui me fait me lever le matin, c'est de permettre la diffusion de l'information du Monde et de Courrier International auprès de tous les lycéens en France et à l'étranger. L'avantage des ressources comme Le Monde et Courrier International, c'est que les actualités, c'est qu'on sont des sites, des ressources numériques qui sont très liées à l'actualité. Donc on suit l'actualité, c'est des ressources qui sont disponibles 24 heures sur 24, où il y a beaucoup d'infographies, il y a beaucoup de cartes et des sujets de fond. Alors, j'insisterai alors, sur une nouveauté, ça concerne Le Monde, qui est un site en français, et on a lancé en 2022 Le Monde en anglais, qui est une sélection d'articles traduits, et ça, c'est que c'est une nouveauté, et c'est important que vous puissiez la connaître, cette information, et aussi, j'espère, lire Le Monde en français et en anglais bientôt. Quand je disais qu'est-ce qui me fait, votre question, qui je suis et pourquoi je suis là, c'est que je pense que les lycéens, les enfants, hein, j'allais dire, ce sont les citoyens de demain. Et c'est important, justement, aujourd'hui, où il y a beaucoup de réseaux sociaux, où il y a des informations fausses, des manipulations même, hein, je peux le dire, c'est de permettre à ces publics, à ces lycéens, d'avoir de l'information. Le Monde, c'est plus de 540 journalistes. Donc c'est de mettre à disposition des citoyens de demain l'information du monde, parce que je pense, je suis convaincue, qu'en lisant Le Monde et Courrier International, on participe à l'ouverture, à la culture et que à la tolérance. Voilà, donc par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, mes ressources de qualité apportent cette approche-là.